Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous donner la description exacte et rapide pour devenir un gémologue. Je sais bien que vous êtes très nombreux dans le monde entier désirant avoir ce métier. Mais tout d'abord, je vais vous donner la preuve que le fait de devenir un bon gémologue ne nécessite pas forcément étudier dans un institut ou dans une école précise. La grande preuve, c'est que les grands gémologues dans le monde entier et les très bons connaisseurs des pierres, ce ne sont pas ceux qui ont étudié les pierres dans les instituts en Europe ou en Amérique, mais ce sont des chercheurs de pierres, des mineurs. Ce sont les meilleurs gémologues. Quand tu vois un diamant et tu dis ça, un diamant, c'est un diamant. C'est exact. Donc je dis bien que il y a certaines étapes qui sont simples mais qui demandent du temps parce que le fait de devenir un gémologue c'est un style life, c'est une question de vie, c'est pas une question de quelques temps où vous allez devenir un gémologue, il faut avoir le temps et aimer ce métier là. Si vous l'aimez, vous allez vraiment et sûrement réussir à devenir un gémologue. La première étape qu'il faut faire pour devenir un gémologue, c'est de savoir les couleurs du pierre. Et pour ça, je vous conseille de faire un tableau avec chaque pierre et son nom, le rubis, zaphir, émeraude, turquoise, lapis lazuli, etc. Je prends la photo avec le nom, je mets ce tableau-là devant moi, vous pouvez faire une grande poster que vous voyez chaque jour. Vous devez apprendre ce dent. Quand je vois une pierre rouge, je sais que ce soit du rubis ou du spinel ou la carte rouge ou je connais dans ma tête les possibilités que cette pierre peut être. C'est déjà pas mal. Ça, c'est un bon état. Deuxième étape, il faut acheter le matériel de gémologie. C'est pas compliqué, il faut pas avoir peur. Déjà, on a les tisteurs, que ce soit le tisteur du diamant, IFA, et ça, je signale que la plupart des gens dans le monde entier l'utilisent pour identifier les pierres. Ça, c'est faux. Le Diamond Selector, c'est uniquement pour les tisteurs. C'est un appareil qui mesure la conductivité de la chaleur dans les minéraux. Les métaux et le diamant est connu comme un conducteur thermique. Donc on le connaît par cet appareil là. Par contre, il y a un tisseur de diamant qui s'appelle Pisidium Diamond ou Pisidium Gem Tester, comme son nom l'indique, gem qui veut dire une gemme ou pierre précieuse. On notant qu'il y a une petite différence entre la gemme et pierre précieuse, ça a développé dans d'autres vidéos, mais là je dis vraiment que
ce tisseur-là, il est bon pour identifier, pour faire une petite sélection, une première sélection. C'est un appareil, c'est des appareils qui sont très utiles, surtout avec les pierres naturelles. Parce que dans le monde industriel, on peut créer des pierres qui ont les mêmes caractéristiques physiques ou chimiques ou optiques ou comme vous voulez, qui sont appareils aux pierres précieuses, qui ne le sont pas, qui ne sont pas chères, qu'on peut vendre avec des prix très élevés. Donc, après viendra le fractomètre, la mesure de la densité, tout ça. Il faut acheter cet appareil-là, étudier comment on les utilise. Une fois que vous apprenez à faire cette étape, vous devez avoir une petite arrière de scientifique. Vous devez faire un petit peu de science physique, tout ça, réfraction, la densité, comment mesurer tout ça, c'est pas trop compliqué. Après, ça vient l'expérience. Ça, c'est le facteur, troisième facteur dans les étapes à suivre pour devenir un géologue. L'expérience est très importante. Quand j'apprends une chose, j'essaye d'appliquer ce que j'ai appris. Même si j'ai fait des erreurs, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que j'essaye et là, j'obtiens l'expérience. Quatrième chose que je vais vous conseiller à faire pour devenir un géologue international. C'est que une fois vous avez vos appareils, vous avez l'expérience, tout ça, essayez d'avoir des amis jumologues. Cherchez dans l'internet ou dans vos entourages si vous trouvez des jumologues pour partager vos connaissances. Mais ne lui dites pas que je suis un jumologue, dites que vous êtes en train d'étudier la jumologie, que vous êtes fan de lui, que vous voulez être son élève. Il n'y a rien de mal à ça. Quand on veut apprendre la science, il faut toujours avoir une tête, petite tête. Il ne faut pas avoir une grande tête et se dire non, moi je ne vais pas lui demander. Ça, c'est très important dans l'apprentissage de la jumologie, d'avoir des collègues, des camarades, des gens dans le métier avec qui on partage même les discussions. C'est bien, il faut voyager, il faut faire des sorties géologiques. C'est vraiment un métier qui demande un peu d'argent. Je ne dis pas non, mais vous pouvez le faire dans petit entourage, il n'y a pas de problème. Mais si vous pouvez, par exemple, aller dans des endroits où il y a vraiment des pierres, comme par exemple la Serranca pour voir les safaris, ou aller en Birmanie ou Madagascar pour les rubis, ou aller en Colombie ou pour voir les émeraudes ou les diamants en Afrique, tout ça c'est bien, mais c'est pas forcément. Donc, la dernière étape, et ça c'est très important aussi, pour devenir un géologue, il faut avoir un petit temps, je ne dis pas un grand temps, même 5 minutes, c'est bien. C'est bien si je, dans 5 minutes, à apprendre la géologie, chaque jour, j'essaye d'apprendre une nouvelle astuce. Chaque jour, une nouvelle astuce ou une nouvelle technique pour distinguer les pierres vraies du faux, les pierres, comment savoir les pierres précieuses. Et aussi, je signale que c'est bien de se spécialiser dans une pierre précise. Si vous êtes fan de toutes les pierres, vous pouvez apprendre toutes les pierres. Mais si vous voulez gagner un peu d'argent, il faut vraiment spécialiser. Donc, que ce soit en diamant ou en émeraude ou en rubis, ça dépend à ce que vos conditions vous permettront d'avoir ou de commercialiser, etc. Merci pour votre attention. J'espère vous revoir dans une autre vidéo et à bientôt. Merci.